Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 37 ans. Je suis actuellement au CEPROC pour une formation CAP boulanger adulte. Alors, dans le programme de CAP boulanger adulte, on a une formation dans l'établissement de 12 semaines et à côté, on a 16 semaines de stage. Nous avons des cours de sciences appliquées, gestion appliquée, aussi de PSE, de la technologie et les cours de pratique. Dans notre groupe, dans la formation, on retrouve différents types de personnes qui viennent un peu de partout. On peut faire cette formation même si on n'a pas d'expérience du tout dans le domaine de culinaire. Moi, ce que j'apprécie énormément dans cette formation, c'est travailler la pâte, comprendre la pâte, qu'on nous explique comment les détails, enfin chaque étape de processus. Afin de faire cette formation, je suis issu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, c'est-à-dire, c'est mon employeur qui finance ma formation. Après, je sais qu'il y a des personnes dans ma classe. Ils ont fait l'autofinancement ou bien ils sont passés par le Pôle emploi. Suite à ma formation, dès que j'aurai mon CAP, je suis seul là-bas, mon but c'est d'avoir un peu d'expérience dans le métier. Donc je compte au moins 1 à 2 ans d'expérience dans le métier de boulanger et tourrier, afin de vraiment bien compléter, de connaître tous les métiers dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, puis par la suite ouvrir ma propre boutique.